J'arrive, Momo. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play sur AC Libération. Qu'est-ce qu'il regarde, lui? Eh ben voilà. Tu regarderas la mort en face quand t'accueilleras. Bienvenue, tout ça. Et là, je me rends sur les lieux de ma prochaine mission. Qui devrait normalement m'amener à me faire rencontrer ma mère. Enfin, ma mère, la mère d'Aveline. Hein. Mais tu vois, je suis tellement dans le personnage que... Le secret du Cénote. Chercher le disque de la prophétie perdue. Pas du tout. Aucun rapport avec ma daronne. Après avoir réussi à déchiffrer les indices laissés par sa mère disparue de longue date, Aveline atteint l'entrée d'un cénote et commence sa chasse au trésor. Pénétrer à l'intérieur du cénote. Très joli. Est-ce qu'on serait pas sur une petite exploration, une petite phase d'escalade, un peu à la manière de AC3, quand Connor justement... un peu perdu dans une jungle tropicale. C'est Edward Kenway, je crois. Oh, enfin bref. Y a un Assassin's Creed où t'es dans un délire un peu comme ça, quoi. Dans un temple et tout, et tu te balades, t'es solo dans la forêt. Voilà, tu passes en dessous. Tu cours. Tu sautes. Hop là. Attends, apparemment c'est derrière. What? Plonger sous l'eau? Ah ouais, d'accord, moi j'aurais continué. Mais là, on va se noyer, hein. Faut qu'elle remonte, la petite. Hop là! Alors. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Ah, effectivement, il n'y a pas d'eau. Hein. Ah, vaut mieux tomber petit à petit. Hein. T'en es sûr qu'il n'y a pas d'eau? Oh, ouais, il n'y en a pas. Hein. Quoique, j'ai un doute. Ça devrait le faire là. Ah non non non. Aïe 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 aïe. C'est bon. Je sais que ça va me faire atterrir, ça. Et là, c'est une flaque. Ah, ce serait exploser la tronche. Hein. Ah, mais attends, il faut plonger à l'intérieur, quoi. Ah ouais, ça se paye, ce truc. Hop là. Tiens, regarde. ART, c'est quoi ce délire?
Ah, d'accord, il me fallait le fouet en fait. Je suis en mode Indiana Jones. Docteur Jones. Y a un coffre. Genre. Flemme. Tintin. Bientôt fini ce truc là. Oh. Là, ça sent le issou au plein nez. Ouais, ça sent bon le issou, hein. D'accord. Le temple de la première civilisation qui était caché. Putain, il fallait le trouver celui-là. Hein. Je crois qu'on n'a jamais autant galéré à trouver un temple. Et où est-ce que je peux grimper? Là. Ça se tente ou pas ça? Non, il n'y a pas de prise. Alors comment je fais? Parce que là, c'est des prises. Non plus, hein. Ah, si, là, c'est une prise. Incroyable. Ah, là, je suis content, là. Enfin, quelque chose d'intéressant. Résolver l'énigme en 2 minutes ou moins. Ouais, tu m'as pris pour un trou de balle. Donc, si on pouvait aller plus vite, ça m'arrangerait, hein, mais... Apparemment, c'est le maximum. Sérieux, je peux pas aller plus vite que ça, là? Ton cul, la boule! J'arrive à louper, bien sûr. Allez! Mais c'est d'une lenteur. Et je crois que il y a un moment, ça va se casser aussi. Faut faire très attention. Waouh! Laisse tomber, mon frère! C'est la galère, leur truc! Je vais le faire en 2 minutes, là j'ai dû dépasser les 1 minute même. Donc, il va falloir le faire dès maintenant. Allez mon coco. Oui, c'est bon ça. Allez, on n'est pas aux 2 minutes là, je le sais. Je le sais qu'on n'y est pas. Oui, c'est bon. Compliqué hein. Ah bah, la moitié d'un disque, semble-t-il. On va peut-être descendre par les escaliers. Hein. Qui n'en sont pas d'ailleurs. C'est pas du tout des escaliers, c'est une rampe. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oula! Ah, d'accord. Je devrais vraiment te remercier. Tu élimines ceux dont le rang m'est supérieur. En plus, tu retrouves les fragments du disque de la prophétie. Si nous n'étions pas ennemis, je te compterais parmi mes amis. À en juger par l'aide que tu m'apportes, nous devons chercher la même chose. Bon, bah... Tu es de fer, hein, d'accord, ok. Oh, ne subissez aucun dégât, merde.
C'est pas de ma faute si lui il est cheaté là. Il est relou ce mec. C'est qu'ils vont me tuer en plus les cons. D'accord, ok. Allez, c'est parti. Viens là, toi. Merde. Oh, d'accord. Ok. Bonjour, messieurs. Alors, comment procède-t-on? Ah merde! Et il est chiant lui! Dégage toi! Bonjour messieurs, messieurs. Alors, attention. Donne-moi ça. Et voilà. Allez hop. Et bah c'était rapide. Oh bah déjà, c'est en train de s'écrouler. Casse. Il sera pas resté longtemps dans ce temple. Et lui, il a creusé des galeries pendant des mois, voire même des années. Fallait juste savoir escalader, mon gars. Je suis rentré dans le cénote, bam bam. Mais comment je fais là? Ah ouais, je dois y aller comme ça, ok. Aïe! Ça fait un bruit, et on dirait qu'on est dans un concert de DJ là, il y a une drop de bass. Oh là là, oh là 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 là! Tintanatin! Bon. Oh, mais c'est ma mère. Aveline, maman, c'est impossible. Je t'ai confié à Madeleine pour que tu sois en sécurité, ainsi que mon amour. Quel cruel destin t'amène ici. Et tu portes la lame de l'ennemi. Ne me dis pas que... Je croyais que tu étais morte. Tu dois comprendre. Il m'aurait tuée, ainsi que ton père. Jamais je n'ai voulu vous quitter. Alors c'est ça. Agathée t'a envoyé ici pour me tuer. Par pitié, dis-moi que tu ne me hais pas à ce point. Je ne t'aurais pas laissé. Te tuer? Mais non, je suis ici de mon plein gré. Aveline, le disque ne doit pas tomber entre les mains d'Agathée. Si jamais il l'obtenait, tout ce que j'ai voulu protéger depuis mon départ de la Nouvelle-Orléans serait définitivement détruit. Depuis quand le connais-tu? Et pourquoi as-tu si peur? Il y a longtemps. Non. Je suis désolée, Aveline. J'espère que tu me pardonneras un jour. Maman! Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Quoi? Elle s'est barrée? Ah merde. Ah bah de toute façon, c'est bon. Étant finalement parvenue à éliminer de Ferreur et à libérer les esclaves de la colonie, Aveline décide de rentrer à la Nouvelle-Orléans. À son retour, elle découvre un monde bien différent de celui qu'elle avait quitté.
Pour couronner le tout, l'identité de l'agent de la compagnie reste un mystère. Bah, ça doit être sa mère, hein. En 1771, la Nouvelle-Orléans, enfin de retour. La situation sur place a évolué. Les autorités espagnoles ont assoupli les restrictions, et bah voilà, merci. Allez vous faire foutre. Je lirai même plus maintenant. Aveline ? C'est impossible, je... Gérald ! On dirait que tu viens de voir un fantôme. J'ai quitté Chichen Itza dès que l'ordre y a été rétabli. Tu as donc réussi ta mission. Déferrer ne nous posera plus de problème. J'imagine que l'histoire ne s'arrête pas là. Comme toujours. J'ai beaucoup à te dire, moi aussi. Les Espagnols nous sont favorables. Les nouvelles lois devraient faciliter des efforts pour aider les esclaves. Est-ce que pour une fois, il y a davantage de bonnes nouvelles que de mauvaises ? La meilleure des nouvelles, c'est que tu sois revenu. Mais j'ai peur de devoir gâcher ton retour avec nos affaires. J'ai eu vent d'étranges événements. Des hommes en uniforme espagnol sèment la terreur dans le bayou. Encore ? Je croyais que les intérêts espagnols étaient favorables aux nôtres. Ces agissements sont d'autant plus inquiétants. Est-ce qu'ils travaillent secrètement pour... C'est ce que nous devons découvrir. J'ai une piste. Mon informateur a vu quelqu'un qui était en train de soudoyer des soldats en ville. Pour qui travaille-t-il ? Je le saurai bientôt. Aveline, tu n'oublierais pas quelque chose ? S'il te plaît, Gérald, ce n'est pas le moment. Non, je... Attends. Je voulais seulement te donner... Merci. Tu m'as manqué. Sinon, Gérald, tu comptes changer de vêtements un jour, frérot ? Parce que là, ça devient grave. Hein. Le gars, il a les mêmes depuis 5 ans. Plus les années passent, plus il a les mêmes. Voilà. Bon, tu me diras, Aveline, c'est la même chose, mais moi, je peux en acheter. Et ouais, je suis pas une clocharde. Allez, viens là, mon garçon. Où le recruteur, là? Bah, d'accord. Je suis tombé pile dessus. Truc de ouf. Allez, putain, c'est chiant ça. En fait, c'est... Les gens, ils disaient à l'époque, les missions filature et tout, c'était l'horreur dans Assassin's Creed et tout. Mais en fait, c'est pas que c'est l'horreur, c'est que c'est les... La façon de faire qui est dégueulasse. Genre, le fait que le mec se retourne pendant 30 secondes et qu'il se passe rien, ça casse le rythme. Donc forcément, t'as juste une envie. Il se retourne encore. Et regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on est quasiment à 15 secondes de retournement. C'est trop. C'est mal foutu. S'il avançait plus vite, s'il se retournait pas, bah... Les gens n'auraient pas critiqué, quoi. Tout simplement. Il va se retourner encore, je le sens. Qu'est-ce qui me fait suivre ?
Bonjour. Je peux pas me voir là. Oh là là, d'une lenteur. Comme vous pouvez le voir, mon employeur sait se montrer généreux. C'est certain, ça. Allez-vous rejoindre notre cause ? Si ! Arrêtez-la ! Non, 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 non. Tu n'as même pas d'armes pour te battre. J'ai pas sorti mon arme. J'aurais le pistolet là, je lui aurais casé une flèche, j'allais dire. Ça veut rien dire. Je lui aurais casé une balle là. Putain, mais il va vite ce con hein. Oh. Pourquoi porte-t-elle des vous êtes pas bien. D'accord, tu t'es réfugié dans ton petit fort, ok. Donc le retour de la fille prodige, ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, si j'ai pas d'armes, c'est parce que en fait, je ne suis pas en assassin. Qu'est-ce qu'elle est rapide ! Je suis en esclave. Donc, on va se changer de ce pas. C'est quoi ça ? Poupée vaudou. C'est quoi ça ? Inspection. Mais moi, je m'en fous. Moi, je veux me changer, mais bizarrement, il y a pas. Donc, comme par hasard. Il y a des zones où t'as 15 vestiaires, t'en as d'autres, tu en as 0. Ah bah tiens. Hop là, nickel. C'est bien mieux. Alors, permettez-moi quand même... Ah bah non, c'est bon, tous les raccourcis sont là. Let's go. La caserne en ruine mettait fin aux agissements malhonnêtes du recruteur. Et ouais mon gars. Attends, parce que ça, c'est un point de synchronisation, ça peut être sympa. Il est là. Avec sa tête de con. Arrête-toi. Merde. Elle va s'échapper. Attrapez-la avant qu'elle s'enfuit. Chut, ta gueule, toi. Attrapez-la avant qu'elle s'enfuit. Ah, tais-toi. Elle s'échappe. Eh non, je suis déjà échappé en fait. Attrapez-la avant qu'elle s'enfuit. Mais il est sacrément con celui-là. Ça ne passera pas. Où c'est qu'il va celui-là? Ça va être dur à atteindre, hein. Ou pas. Ou pas. Peut-être me faire griller là, non? Ah non, ou pas, ouais. Il est niqué. Adieu l'ami. Ah, il y avait une... Ah bah, en plus, le tonneau de poudre juste là, quoi. Le seum. Ah ouais, j'ai perdu tous mes objectifs. Attends, c'est la première fois. On va faire un truc, attendez. Attendez, ne bougez pas, messieurs. Ne bougez pas.
trop de bruit pour rien. Me cassez pas les couilles. Voilà. Allez hop. Ça dégage. Et il y en a d'autres qui se ramènent. Il est fou lui. Oh. C'est bon. On peut fouiller s'il vous plaît. Pourquoi je peux pas fouiller? Je peux pas fouiller. Ah non, c'est bon. Son pote qui arrive, c'est normal. Salut l'ami, comment ça va? Ok, je sais pas viser, c'est la honte. Mais ils sont... Oh, l'intelligence artificielle, elle est incroyable hein, dans ce jeu. Hein. Regarde, regarde, il m'a vu. C'est chaud, il s'en bat les couilles, il m'a vu. Ah ouais, non mais là c'est une catastrophe. C'est chaud. Franchement, je comprenais même pas pourquoi personne m'attaquait et je pouvais pas fouiller, tu vois. Enfin, vraiment une galère leur truc. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, hein. C'est Ubisoft, quoi. Mais là, ils ont fait pire. Je vais pas vous mentir, j'ai bien envie de sauter là, parce que. Aïe, ça va, ça passe. Et on se casse. Voilà. Eh ben, catastrophe. Seigneur. Alors, qu'est-ce que c'est écrit? Peut-être sous-estimez-vous l'immensité et les pièges du bayou. Je vous répète qu'il me faut plus d'hommes pour en garder le contrôle. Recruter l'armée espagnole tout entière s'il le faut. Discrètement vôtre. Vasquez. Vasquez. De Ferreira a parlé lui à Chichen Itza. Serait-ce lui l'agent de la compagnie? Je dois avertir Agathe et les contrebandiers. Oh non, je n'ai pas eu toutes mes synchros. Allez, dans le bayou. Bah écoute, on va pas s'emmerder. Tac, comment on change de carte? Ou comment on va directement dans le bayou? C'est pas avec ça justement là les... Ouais c'est vrai ça, comment on va dans le bayou? Ah ah. Y'a pas une autre map? Mec, c'est vrai ça? Ah bah c'est bon. Ça vient d'arriver. Salut l'ami. On va dans le bayou. Ayant mis à jour un complot visant à forcer son mentor à sortir de sa cachette, Aveline se rend dans le bayou, bien déterminée à regagner la confiance d'Agathe et à renforcer son engagement envers la confrérie. C'est bien ça, Aveline. Regardez-moi cette belle gosse. Po, po, po. Alors. Est-ce que il faut aller au niveau de la cabane d'Agathe? Parce que si c'est ça, c'est loin, ouais. Et point de vue... Oh, le con! Putain, j'ai pas synchro! Oh, voilà. Yes. Toujours synchroniser les points. Dans Assassin's Creed. Toujours. C'est la règle d'or. Et bah moi je l'ai pas respecté. Vraiment pitoyable, Joe. Tu ne mérites plus de jouer à ce jeu. C'est pas grave. On l'a joué RP. J'espère que c'est pas trop tard. Je ne le vois pas. Où est-il ? Retourner la superstition des simples esprits. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Agathe s'est barré. Il est passé comme ça, il est passé comme ça, il a continué. Bam, bam, bam. Ensuite, il est passé où? Il est passé par là-bas, semble-t-il. On continue. Bam, bam, bam. Et il est là. Il m'attend, tout simplement. C'est quand tu veux, tu descends. Merci. Agathe.
Qui es-tu? Tu ressembles à une fidèle élève que j'ai eue. Arrête de il y a mytho, longtemps. Là. Mais elle n'existe plus. Mentor, je sais que je vous ai déçu. Mais mon absence n'aura pas été vaine. Regardez ce que j'ai découvert. Tu aurais dû le laisser où tu l'as trouvé. Est-ce que tu as la moindre idée de son utilité ou de son pouvoir? J'espérais que vous puissiez m'éclairer. Si tu n'avais pas cherché à tout prix à le déterrer, personne n'aurait eu à savoir. Ôte cet objet de ma vue. Enterre-le et oublie-le. Réduis-le en poudre. Jette-le dans un nid d'alligator. Je ne veux plus jamais le voir. Très bien. J'espérais que vous l'accepteriez comme preuve de ma loyauté. Mam, quelqu'un m'a dit que vous étiez à sa recherche. Tu ne devrais pas laisser des rumeurs pervertir ton esprit. Maintenant, va-t'en. Je suis venu vous avertir, Mentor. Vous êtes en danger ici. N'y a-t-il pas des années que je le répète? Pauvre enfant inutile. Cette menace est nouvelle et bien réelle. Cet homme, Vasquez. Tu ne m'apprends rien. Il soudoie des soldats espagnols. Mais j'ai déjà prévu de m'en débarrasser, en retournant leur superstition contre eux. Laissez-moi vous aider. Je sais que je ne pourrai t'arrêter. Laissez-moi vous prouver ma loyauté. Très bien. Écoute-moi. Voyons si tu sais encore suivre un plan. J'ai placé un peu partout des symboles qui emplissent de terreur nos amis d'Europe. Si tu es capable de suivre mes instructions, traque-les de symbole en symbole et élimine-les en silence. Ils croiront à une malédiction vaudou. Et ensuite, une malédiction les effraiera sans doute, mais suffira-t-elle à contenir le flot des nouvelles recrues? Encore des questions. Je croyais que tu voulais m'aider. Ah, tu te tais enfin. Va, laisse-moi profiter de ce moment de paix. Il est rigolo, ce Agathe. Bouh! Gagnez un point d'observation sûr et attendez la patrouille. La romaine patrouille. Regardez, c'est... Cesse de faire l'enfant, ce n'est rien. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu crois? Je l'enlève. Non, arrête, nous serons maudits. Ah, une malédiction. Regarde, je tremble de peur. Tu vas trembler de peur dans quelques instants. Regardez. La malédiction. Votre ami va mourir. Oh. C'était donc vrai. Partons d'ici, nous sommes en danger. Tuer un.
Dios santo, encore du vaudou. Reviens ici, déserteur! Je te fais passer par les armes! Ah, il est fort, hein, quand même, hein. Il l'a eu, hein. Ouvrez l'œil et restez sur vos gardes. Que Dieu nous protège. Tu vois, ça, c'est Assassin's Creed. Genre, t'es là, t'es dans l'ombre. T'assassines les mecs, ils deviennent fous, ils se disent mais putain, mais c'est une malédiction ou c'est un mec qui nous tue, tu vois. Ils ont le doute. D'accord, tout le monde fuit là, c'est bon. Ça vous a suffi. Super. Bon bah retournons voir Agathe. Ah non, on est au camp des contrebandiers là. Alors apparemment il y a une page ici là. Voilà. Si on peut aider. Et là c'est quoi ça là? Rosser les truands pour obtenir des pièces. Comment ça là, rosser les truands? Écoute, au pire, je le tue, voilà, hein, et je lui vole. Je vais voir. Hop, pièce d'assassin obtenue, allez. Mec, il est là, il m'attaque pas, donc autant le faire. Hein. Salutations, contrebandier. Aveline, ça faisait bien longtemps. Trop longtemps. Écoutez, avez-vous remarqué des choses anormales dans le bayou? Encore plus anormales que nous? Ah, nous avons repéré un grand nombre d'hommes en uniforme espagnol. Mais leur virilité est tout aussi incertaine que leur allégeance. Ils ont été soudoyés par un certain Vasquez. Ils travaillent pour... Vasquez? Sacrebleu, je connais ce nom. J'ai entendu des soldats dire qu'il allait dérouter un navire de ravitaillement demain. À moins qu'on ne le prenne de vitesse. Ça me plaît, ça. Ne te l'ai-je pas déjà dit, Elise? Cette fille me plaît. Je ne dis jamais non à un détournement. Si je peux faire une suggestion. Le phare du lac Pontchartrain. Si tu le manipules, ce navire a fort peu de chances de rejoindre son mouillage. J'adore comment tu vois les choses, Roussillon. Ne te l'ai-je pas toujours dit, Elise? Ce gaillard me plaît. Eux aussi, toujours les mêmes fringues, toujours la même tronche, des années après. Ne tuez personne, ne nagez pas. Arrangez pas, vous. Tuez personne. Comment tu veux que je tue personne ici, là? Ah.
va falloir être rusé. Allez, arrête. Genre, comme par hasard, il y a un endroit où c'est buggé, ça te fait pas. Ça te baisse pas dans les fougères. Et bah, je suis rentré dedans. Bah, j'aurais voulu être en train de pisser le mec. Il s'est remonté la braguette là. Merde, il vient. Il s'est même pas lavé les mains. D'ailleurs, il y a une prise au moins. Pour monter là. Nickel. Mais quel est con. Putain, mais toi, la vie, là, j'ai eu un haut de cœur, là, tu vois. Enfin, hop, 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 hop. Tu vois ce que je veux dire. J'ai eu peur, quoi. On a fait le coup deux fois, en plus. Cette grande folle. Non. Salut, l'ami. Comme vous êtes teubé dans ce jeu, hein, on peut se permettre de leur passer devant. C'était même pas volontaire. Voilà, voilou. Déjà sous à cette heure? Si je me souviens bien. Aider les contrebandiers à récupérer les marchandises volées. Aveline, tu as réussi! Le navire est pris dans la vase! Allez récolter votre récompense. Quant à moi, je m'occupe de Vasquez. Et ensuite, on fêtera ça! Aveline, je vais réunir nos hommes. On te rejoindra au bateau. Et le pillage pourra commencer. Oui, oui, demain. Alors, retrouver Élise et Roussillon au point de rendez-vous. Le mec s'appelle quand même Roussillon. Quel vieux blaze. C'est quoi ça? Bannière là, avec des hiboux. Ça me rappelle le symbole de Athènes, je crois. C'est le hibou, non? Dans Odyssée. Putain, je fais des cauchemars, je vois Odyssée partout maintenant. C'est dans l'eau, malheureusement. C'est bon les gars, je suis là. Élise, tes hommes sont prêts? Prêts? Dis plutôt qu'on a du mal à les retenir. Aide-moi à neutraliser ces gardes, avant que nos hommes ne se fassent trouver la peau en se lançant l'assaut. Con. Ils sont sacrément cons. Hein.
aucun respect. On va prendre le tomahawk de Connor, tiens. Mais super le combat dans un coin de la map là, allez hop, dégage. Allez. Prenez tout. Et accélérez, monsieur. C'est pas normal que je sois premier. Ok, ça me l'a même pas compté, je crois. Si, une. Comment ça? Ah ouais, il y a des mecs. Bah moi je vous laisse, hein. Ok. Bon courage. J'arrive, j'arrive. J'aime bien, il y en a eu pas, si... Sois tranquille. Par contre, quand tu prends le tomahawk de Connor, tu fais exactement les mêmes moves que lui, hein. Allez les gars, là, prenez des caisses. Bonjour. Pourquoi moi ça compte pas? C'est pas grave. Prenez les caisses parce que moi ça les compte même pas. Hein. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, c'est les mêmes moves que Connor. D'où elle a appris à manier le tomahawk en plus. Et elle fait pas partie de la tribu de Connor. Voilà. Voilà. J'ai mis les caisses. Ah, c'est bon. Merde, y'a des mecs. Éliminer les derniers soldats. Voilà. Ah, il en reste un. Autant pour moi. Ah mais il est relou. Allez, ça dégage. Waouh, c'était incroyable, Aveline. Je regrette juste que Vasquez n'ait pas été à bord. Allons, allons, ça va. Garde tes regrets pour plus tard. Ceci devrait t'intéresser. Et donc, c'est quoi? On n'a pas le droit d'en connaître le contenu? Ah bah voilà, d'après les documents trouvés à bord du navire espagnol, l'équipage avait pour ordre de gagner Chichen Itza et de reprendre le site de fouille. Craignant pour la vie de sa mère et espérant peut-être retrouver la seconde moitié du disque de la prophétie, Aveline décida de retourner à Chichen Itza. Ah ouais, bah vas-y hein. Et au même endroit? Ah non, un autre endroit, semble-t-il. C'est qui lui?
Bonjour. Attends, mais non, mais on n'est pas à Chichen Itza, là. Non, non, là, on va y aller, d'accord, ok. Et la mission, justement, bah, il faut aller au port, tout simplement. Ok, et eh ben, on fera ça dans le prochain épisode, les amis. J'espère que celui-ci vous a plu. Il était quand même sympathique. Voilà, je pense qu'on approche de la fin. Quand il me semble que la deuxième fois on retourne à Chichen Itza, c'est vers la fin. Donc voilà. On va finir sur un petit combat que j'ai envie de faire, non? Ah bah non, je peux pas. Si, je peux. Regardez, j'ai toujours eu envie de faire ça. Bonjour les baltringues. Hop. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Voilà. C'est juste pour vous les amis. Le petit carnage. On se fait tout le monde. C'est comme ça ici. Hop. Aucun dégât en plus. Wouhouhou. Il est où lui? Ah bah lui il est mort le bras tendu. Aïe. Magnifique. On pouvait pas mieux finir l'épisode. Allez, à très vite. Tchuss.